Bonjour à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je te propose de voir aujourd'hui le morceau Tom de la chanteuse Nathalie Imbruglia. Alors tout à l'heure j'ai fait un petit impair dans la démo, j'étais en capo 4, mais c'est bien en capo 5 qu'il faut se placer. Morceau relativement simple, nous allons avoir 5 accords dans ce morceau et une seule et même rythmique sur tout le long du morceau. Ok ? Donc au niveau des accords, nous allons avoir comme premier accord le Do majeur. Donc comme d'habitude, je te laisse regarder le diagramme d'accord. Donc Do majeur. Nous allons avoir un Fa majeur en barré. Nous allons avoir un Sol majeur. Mi mineur, et dernier accord, un La mineur. Ok, voilà pour ces 5 accords. Au niveau de la rythmique, je te disais, nous allons avoir une seule et même rythmique sur tout le long du morceau. Je te propose celle-ci. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Je recommence. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Encore une fois. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Haut, bas, 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 haut. Donc quand je fais le, c'est en fait tu fais un coup vers le bas mais sans gratter les cordes. C'est pour garder un mouvement régulier au niveau de ta main droite, chose très importante. Voilà. Donc je recommence. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Donc si je la fais par exemple sur l'accord de Do majeur, ça donne ça, d'abord doucement, enfin lentement pardon. Ok, encore une fois. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Donc ensuite, une fois que tu maîtrises la rythmique et les accords, nous allons voir comment placer tout ça dans les différentes parties. Donc au niveau de l'intro, bah, c'est pas bien compliqué. La progression d'accords va être Do, Fa, Do, Sol. Donc une mesure à chaque fois et ça va être une ronde. Donc une mesure de Do, 4 temps, Fa, 4 temps, Do, 4 temps, Sol, 4 temps. Voilà pour l'intro. Ensuite nous allons passer au couplet. Donc le premier couplet, la progression d'accord va être la suivante. Deux mesures de Do. Deux mesures de mi mineur, deux mesures de fa majeur. Et ça, tu le recommences une deuxième fois. D'accord ? Par contre, avec la rythmique. Donc, si je te fais ce premier couplet, ça donne ça. D'abord lentement, et je vais accélérer par la suite. Thank you.
pour ce premier couplet. Ce premier couplet va être suivi d'un pré-refrain. Donc le pré-refrain, la progression d'accord va être la suivante. Une mesure de la mineure. Une mesure de sol. Une mesure de mi mineur. Une mesure de sol. Donc ça donne ça. D'accord ? Je recommence plus lentement. Passons sur le refrain. Le refrain, donc nous allons avoir une mesure de Do, une mesure de Sol, une mesure de La mineur, une mesure de Fa majeur. Et nous répétons cette progression d'accord trois fois. D'accord ? Donc je la fais une fois, cette progression d'accord, ça donne ça. Ensuite, donc après ce refrain, on fait une fois le couplet, donc deux mesures de Do, deux mesures de Mi mineur, deux mesures de Fa. Ensuite, nous refaisons un pré-refrain, un refrain, avec trois fois la progression d'accord Do, Sol, La mineur, Fa. Ensuite, nous avons un pont. Donc la progression d'accord au niveau du pont, c'est une mesure de La mineur. Une mesure de Fa, deux mesures de La mineur, une mesure de Do, une mesure de Sol. D'accord, donc ça donne ça. Donc une fois que nous avons fait ce pont, on repart sur un pré-refrain, donc La mineur, Sol, Mi mineur, Sol, un refrain, Do, Sol, La mineur, Fa. Par contre, cette fois la progression d'accord, on l'a fait 4 fois. Ensuite nous avons un deuxième petit pont, qui est beaucoup plus court que le précédent. Nous allons avoir une mesure de La mineur et deux mesures de Sol. Et on finit par ce qu'on appelle un outro. Là, la progression d'accord, c'est Do. En fait, c'est la même progression d'accord que le refrain. C'est-à-dire Do, Sol, La mineur, Fa majeur. Et pareil, cette progression d'accord, on va la faire 4 fois. Et le morceau est terminé. Donc voilà. J'espère avoir été assez clair. Pour ce morceau, s'il y a des choses que tu n'as pas bien compris, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Sinon, n'hésite pas à faire des pauses au niveau de la vidéo, voire même des fois ralentir la vitesse de lecture de la vidéo, ça peut être intéressant. Et puis, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!